YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Pokémon version noire. Je sais absolument pas quel voyage. Mais du coup, on va se reprendre sur le random Nuzlocke. Une idole qui est en train de se marrer en vocal. Alors, je sais pas, il a pris la voix de fantôme. Il a pris la voix de fantôme. Sinon, coucou Edel, coucou Edol, coucou Ayupa. Bon, Edol et Ayupa, on les a juste là. J'espère que ça vous a plu. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas eu d'alerte, moi. Non, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'alerte. Mais, hop. Je vais relancer. Hein. Voilà. Je remets le son de Kalten. Tu vas bien, Edel? C'est ignoble. Mais on entendait ce que je disais parce que j'avais l'impression que le fantôme c'était la voix où on avait les, on entendait le moins. Alors j'entendais pas grand chose, de toute façon j'étais morte de rire. Alors c'était audible. À ce que ce soit compréhensible. Compréhensible, c'est différent. Ouais. J'ai. Ah bah, du coup faut peut-être que je reprenne mon intro si on comprenait rien. Bah du coup, on reprend sur Pokémon Nuzlocke Noir Edol Ayupa. On reprend sur Pokémon version Ayupa en Nuzlocke Edol avec Random et Pokémon. Moi, ça me va, hein. Je vais être une version de Pokémon. Hein. Bref, j'espère que vous allez bien. On va peut-être à un moment lancer la partie quand même. C'était incompréhensible. ouais, je crois que c'était une. Après, je vous avoue que parmi les voix qui sont proposées, comment vous dire ? En fait, il y a énormément de voix graves, flippantes, et mis à part ça, bon, bah après, faut faire le tri, quoi. Donc, j'en ai trouvé certaines qui étaient pas mal. J'en ai mis combien ? J'en ai mis 12 ? J'en ai mis 10. J'en ai mis 10 parce qu'il y en a deux. Je voulais un nombre pair, je sais pas pourquoi. Mais du coup, la voix, genre, au porte-voix, bah, j'ai pas réussi à l'intégrer, je sais pas pourquoi. Voilà, donc, vous savez, c'est une voix... Je sais même plus comment c'est. j'ai niqué mon swag, parce que du coup, je suis en train de chercher le porte-voix. Ah, la voix au porte-voix. Aujourd'hui, nous protestons. Voilà. Effectivement, là, on dirait que tu manges une manif. Bah oui. Je sais pas contre quoi tu protestes. Mais... Ah bah je proteste, c'est suffisant. Il proteste contre la mort de ces Pokémon. Si je proteste, c'est que je suis protestant. Ah. Quel humour. Bref. Quoi donc ? Moi, tu peux commencer le jeu, tu sais. Ouais, tu peux, hein. C'est vrai. On va pas te retenir, hein. Oh, ça va, oh. Moi, j'ai déjà commencé. Ouais, bon. Comment elle me met la pression ? Moi, j'ai fait la... Comment elle me met la pression, quoi ? J'ai terminé, juste, voilà. Oui. Non, ce serait méchant de te faire un cul sec dès le début. Ah oui, ce serait très très méchant. Et tu n'es pas quelqu'un de méchant, n'est-ce pas, Ayupa ? Je suis quelqu'un de très gentil, très pipou. Oui, voilà. Ah tiens. Oh putain. Putain, je me tourne, je me fais aggro déjà, quoi, t'es sérieux ? Avec un octu noir. C'est à quoi ça me fait penser quand tu fais ça ? Dans hein ? Diamant et Perle, quand t'es en bicyclette dans les hautes herbes, tu fais 1 mm. T'as un Pokémon qui t'attaque. Oui. Et ça. J'en peux plus. Je me souviens que c'était dans les... Ah ! J'avais pas vu que Findus n'avait presque plus de vie. C'est quoi ça ? Un Pyronie ? Ah, Pyronie, c'est très fort. Oui, mais sauf que je peux enfin, pas non. Capturer, donc je suis un peu dégoûté. C'est nul, mais par contre, Pyrax, c'est très fort. Non, c'est... Ouais, quand ça évolue, c'est Feu Insecte, je crois. Oui. Ah, feu insecte, c'est très bidon hein, pour le coup, mais.
Ça évolue tard, ça évolue 59-60. 59, il me semble, oui. Ouais. Ah, c'est pas le Pokémon qui évolue plus tard, t'inquiète pas. À la fin du monte au niveau 31, on va mettre un autre Pokémon devant parce que... Ah, je suis à Paris 9, ok. Il y a une arène à Paris 9? Oui. Ah bah, faut qu'est-ce que tu fous avec un Dracolos déjà? Quoi? Où es-tu? Ah, t'avais un Dracolos. Mais j'ai Ariane depuis longtemps, enfin. Bah oui, c'est un... Oh bah, en parlant de ça, j'ai un mec qui m'envoie un Dracolos. Un kinésiste. Et bah voilà. Elle s'appelle Babette. Mais elle est où, l'arène? Dans le lit du roi. Ah ah ah. À Port-Yonneuf, la reine. Ah, j'ai trouvé. Il n'y a pas quelqu'un qui te soigne pas loin de... T'en vas à droite, je crois. Pas loin, ouais, c'est en haut à droite. Il me semble qu'il y a une maison. Non? Il n'y avait pas une maison quelque part, là? J'avoue que... Non. Non, 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 il n'y en a pas. Ah, faut que tu retournes en ville. Après, tu peux y retourner assez rapidement. Oui, enfin, assez rapidement, il y a pas mal, quand même pas mal d'herbes. Bah, tu fuis tous les combats. Hein. Je suis pas un fuiteur, moi. J'ai pas de fuite. Ça sent peut-être tes Pokémon avant. Hey, Kalten. Oui. T'as bien lancé la VOD. Oui. Parce qu'il a fait l'intro deux fois. J'ai fait l'intro, j'étais encore en fantôme. D'accord, c'est bon. Mais parfois, tu sais là que tu fais l'intro que t'as pas lancé la main. Mais vu que j'étais en train de rire comme une débile. T'avais pas capté. Ah bah si, il y a une maison ici. Oh, c'est vrai que cette voie-là, elle peut être sympa aussi. Laquelle? Deux. Pour l'instant, j'ai trouvé deux qui m'intéressent. La 8 bits. Ah oui, bah, ça va, c'est ça. La radio démon. Mm-hmm. Il me restera deux à choisir. Oh. Je m'amuserai sur ton live demain. Salaud. Bah non, mais du coup. Je dis salaud, c'est moi qui ai. Un titre de stream. Ah, ah Youpa, le salaud s'amuse à changer ma voix. J'avoue. Vibre à quoi? Un Tarumaru. Tunnel. Bim, one shot. Merci, Kalten. Ah. Ça fait plaisir. Hein. Feinte, allez. Et la Mother qui a renommé son rival Kayupki. Oui, sur ma suggestion, j'étais content. Non. Oh. Forcément, ça ne pouvait venir que de toi. Alors, Kajoline, par contre, commence à être un peu dans le mal. Ah oui, mais vibre à quoi sur ta peau, tu m'étonnes que ça marche pas. Sachez qu'il y a encore plein de voix et je suis en train d'en faire d'autres d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a, ce qu'on appelle le voice lab et on peut moduler soi-même sa voix du coup. Ah, il a fait Requiem, le con. Voilà. Pulse dans Tools peut-être. Console, voilà. On le... ah. Ça je peux. Non, oh, tu veux qu'on te console? Non, j'enlève. Il y a un truc. Ah, c'est bon. Ah, tu dois avoir un action icon. Dans l'émulateur? La console parce que ça me fait. Ouais. Ah, dans l'émulateur. J'ai juste enlevé la console parce que sinon ça me fait deux fenêtres ouvertes et ça me saoule. Ah, j'ai pas de... Avec l'émulateur, j'ai pas de console ouverte, moi.
Tiens. Du coup, tu ne l'as pas activé. Oh, c'est possible, non. Du coup, Findus, finalement, toute mon équipe est plutôt bien équilibrée maintenant. Je suis content. C'est clair. NJ, Catch, Xanax. Tu as une belle équipe. Hein. Bah, franchement, j'en suis très content. Bon, pas aussi belle que la mienne, mais. Ouais, l'autre. Mon équipe est niveau 50 contre des Pokémon niveau 28. Bon, allez, souplesse et ensuite Dracorage, peut-être. On va commencer à être sur des Pokémon qu'on va commencer à plus two-shot hein, quand même avec Dracorage. C'est un problème. Donc où est-ce que je dois aller maintenant que j'ai fait la tour des cieux? La tour des essieux. Il y a beaucoup de voitures là-bas. Ah. Ils sont hilars de ma blague. Ça s'entend. Oui. Ah mais attends, je l'ai la chance du coup ou pas? Ah non, on s'en fait pas d'un combat de dresseur, mince. Il me semblait que... Oh oui, je l'ai! C'est pas ce que je voulais faire, donc c'est pour ça. Non, je voulais juste dire à... Tu voulais juste... Ah! Tu voulais juste dire à la déco quelque chose. Je viens d'être testé positif. Covid-19. Ah bon? Oui, Jean Castex. Mon futur patron. Positif. Quoique, le temps que je passe le... Attendez, j'ai une déco. Le concours et compagnie. Ah, on a perdu Captain. Oui, oui. Voilà, je suis revenu normalement. Vous avez même pas eu le temps de me voir partir. Ah si, en fait. Peut-être que je deviendrai... Welcome back. Riche en dessin, dessinant des dessins. Welcome back. Bon retour. Moi, je ne peux que te le souhaiter. Je vais faire des commissions. Allez. Dans mes rêves. Tu vas faire la commission? Non. C'est toi qui l'as dit. Pas ce genre de commission. Ah, tu fais pas la commission. Ah, c'est une fille, voyons. Captain, tu veux pas me faire dessiner? Je te fais ça à 500 euros, ça va? Oui. Pourquoi tu... Pourquoi tu voulais dessiner toi en train de faire la commission ou quoi? Non, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'ai pas trop compris l'enchaînement d'idées en fait. Ça va, ça va. 500 euros pour Captain, c'est quoi? C'est la moitié de son loyer. Bah oui, voilà. Puis de toute façon, il est bientôt proprio, donc c'est bon. Bah oui, justement, enfin, je serais pas proprio, je serais accédant à la propriété. Oh, on joue sous les mots. Ouais, bah, ma grande, j'aurai environ 1000 euros par mois qui s'en vont. Hein. Ah, bah, tant pis pour toi. C'est ce que je dis, c'est la moitié de ton loyer. C'est un peu... Non, pas pour l'instant. C'est par où? Ah, mais c'est pas par là. Oh. On va peut-être pas mettre un Pokémon plante sur un Sulfura. Hein. Oh. Ça dépend, t'es joueur ou pas? Oui, mais... Oh, putain. Toi-même. Ah bah, je l'ai one-shot, ça va. Non, mais tous mes Pokémon, ils sont à la dèche, mais en point de compétence, finalement. En PP. Bon, on va appeler Scrogneux là. Parce que Scrogneux à la fin. Bah ouais, là, Kangourex contre mon Albert, ça dépend. Je suis content de mes blagues, c'est honteux. Et coucou Zelki. Ah, j'ai pas le. Ah, le chat, je suis désolé. Vas-y, rejoins-nous Zelki, viens. Oh, bah oui, mais bien sûr que tu peux rejoindre. Je suis prêt à parier que je n'ai pas retiré les droits de part. Wow. Non, mais je veux finir l'année avec ses droits, hein, c'est tout. Donc un Zelki sauvage apparaît. Oui, donc je ne t'ai pas retiré les droits. Oh, Zelki, est-ce que tu peux couper le son de Discord, s'il te plaît, et mettre le son du stream?
Oh putain, tu vas pas faire ça. Je vais te faire écouter quelque chose. Tu vas pas faire ça. Oh, dès que je te vois muté, j'achète le truc. Et je non, vas-y. Mais il va pas faire ça. Je mais... veux mieux pas, mais je vais mieux de Kalten. Je sais, j'ai peur. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce que quoi ? Il a pris quoi ? Il a pris quoi ? Il a pris quoi ? Ouais. Ah bah le... Oh ça va. Franchement il a pris une voix... il a pris une voix sympa. Il a pris une voix sympa. Ça va. Eh. Hey. Ouais. C'est qui qui a un... Ben, finisseur. C'est de la merde, je suis dégoûté. Oh, c'est qui Apparemment, c'est de la merde, 8 bits. C'est lequel? C'est le 8 bits, ça? Ouais, il a pris la voix 8 bits. Ben, c'est mignon, quoi, voilà. C'est mignon. Ah, d'accord, ok, il fait smumuse avec la voix du... Oui, j'ai rajouté un modulateur de voix. Waouh. Et... J'en ai fait un, ne bouge pas. Oh putain. Oh putain. Alors fais gaffe, il y a une minute de time out quand même, de slowdown, de cooldown. J'ai trouvé mes mots, c'est bon. Kalten avait peur qu'on en abuse. Non, à peine. Non mais il donne une nouvelle arme à des gamins, qu'est-ce que tu veux que... Oui. C'est pas mal. Ouais, c'est une nouvelle arme payante, donc les gens ils vont pas trop... Enfin, quoique... Avec Ayupa. Écoute, moi je dis on verra bien. Franchement, j'aurais pu faire ça avec les points de chaîne, j'aurais peut-être fait ça avec les points de chaîne. Mais en l'occurrence, ça ne marche qu'avec les bits. Véridique, hein. Véridique. Non, arrête de dire ce mot. Ouais. Quoi, les bits ? Scientifique. Oui. Vas-y, lance le jeu. Oh, c'est les rangs que j'adore. Désolé pour le retard, en fait mon frangin m'a envoyé un lien d'un petit tournoi à l'impro. Allô, bonjour. Le Magic, et j'ai roulé sur tout le monde. Nous sommes sur un let's play de Pokémon aujourd'hui. Oh, ça déchire qu'il dit Ayupa. C'est cool. Attends, je ouais. Là c'est vraiment la voix pour raconter les creepypasta, tu sais. Est-ce que je vous ai parlé déjà de Majora's Mask? Ou alors on peut partir. Parle-nous de Majora's Mask. Ben, j'ai pas grand-chose à vous dire de Majora's Mask. C'est plus radio des années 50, tu vois. Ah ben je crois que c'est censé être une radio... Radio flippante. En l'occurrence. Ah, ça m'a c'est fait... Ça. Ça m'a fait faire une micro-déco. Bah, en fait, le problème, c'est qu'avec la voix de Kalten, ça fait pas flipper. Non. Oh, mais il y a le physique qui fait flipper. Tu as une... Oh, connard. tu as une voix trop de good guy, Kalten. Sinon, j'avais mis quoi comme autre voix? Alors, la robot, j'aime beaucoup. La Magic Cord, j'aime beaucoup aussi. Bon, cathédrale, c'est beaucoup de résonance. Harmonie, c'est pareil que Magic Chords, hein, c'est une voix qui te fait un peu chanter automatiquement. Radio Démon Ghost, vous avez vu. Cybertune, bah pareil, c'est une voix un peu chantante robotique. Chimpunk, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire 8 bits, bah, la voix en 8 bits. D'ailleurs, plus la merde. Et IDJ, hein? Non, mais je disais que 8 bits ça pue littéralement la merde. Oui, et en fait tu parlais en même temps que Zielki, et c'est Zielki que j'ai pas entendu. Ouais, j'ai dit de la merde. Depuis quand je dis quelque chose, genre de passement. Ok, et ben j'ai préféré ce qu'a dit Ayupa alors. Et du coup, AI DJ, bah, pareil, c'est une fois robotique, mais plus dansante, j'ai l'impression. 8. Ah, on a combat contre dresseur, c'est vrai que c'est un dresseur, j'avais déjà oublié. Psy coup de boule! Merde, il m'envoie ah un sirène. Ah non, j'abandonne pas Psy coup de boule. Il veut que je fasse quoi avec un poids sirène des sushis? Qu'est-ce que j'avais fait moi déjà? On a peut-être pas la tour des cieux toi? Ah non, j'avais fait. Oui, j'avais fini l'arène des canons. L'arène des canons. Donc celle qui est juste après la tour des cieux.
C'est ça. La sixième, t'as le sixième badge. C'est ça. Puis, et vous en êtes à où du coup? Moi je suis encore dans la grotte électrolyte. Ouais, ça j'ai vu. Je cherche la route pour aller à ce badge. Moi je suis dans une arène. Mais alors, sachez que je suis sur une route et je croise un suicune sauvage. Je vais réussir à le capturer, sachez-le. Non. Je vous le dis, vous l'entendrez ici en premier. J'aurai ce suicune. Non, il ne va pas réussir. J'ai 21 Pokéballs. Ou je suis. Attends, j'ai quoi? Au revoir. Peux le faire. J'ai quoi exactement? Ah oui, mais du coup, moi, quand je clique sur les voix, ça me fait perdre le focus sur la console. J'ai 21 Super Bowl. Ouais, je pense que ça passe. Bon, il va mourir, le tentacruel. Le monstre s'est mis à modifier la voix du Mister, là. En dessous, mais faut payer en bits. Ah. Oui. C'est pour ça que je vais pas en abuser. Parce que j'aime l'argent. Non, mais ça, on sait. Bon, bon, ça fait déjà deux de ratés. Faut que je revienne à la voix normale. La troisième sera la bonne. Un jour, j'aurai un stream deck. Utiliser. Théa utilise Super Bowl. J'y crois zéro, mais bon. J'y crois zéro non plus. Pokémon s'est libéré. Il a quand même daigné rentrer dans la balle. Ah, vas-y, je vais tenter le psy coup de boule. Non. Non. Oh oui. Quoi? Faut que j'aille à la grotte, ok. Ah, on a Yayupa qui a fait... Non. Ah, putain. Mais c'est pas vrai. Il a tué un Pokémon, mais je l'ai eu. Ah, il a tué un Pokémon? Il a tué qui? Oh, il a tué Skalten, mais c'est un Pokémon de merde. Donc... Ce jour, nous célébrons la mort de Kalten, digne Pokémon qui a vraiment fait son taf. C'est un Scalpion. Un Scalpion, mais c'est un Scalpion quand même. Je sais qu'il nous entend de là où il est. Ah! J'espère qu'il deviendra mon troisième meilleur Pokémon derrière Maskalten et Zielki. Oh, il y a des chances! Zielki casse des culs, c'est incroyable. Ah, mais ça. Ouais. Zielki, c'est quoi? Tu casses des culs parce que tu as multi-coup et boule rock. Oh putain, ah oui, tu m'étonnes. Ça marche bien, ça. De ouf. Ah oh, bah ça marche plutôt bien, oui. Oh, je suis content. Ah. Bon, Xanax, il a quand même pris cher, mais il a battu Crefolet tout seul. J'ai... Oh, plus qu'une. Oh. Je vais mettre toutes mes ressources sur Suicune pour le monter ce soir. Monter dans les oh, c'est sale. Ouais. Monter, c'est le niveau. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Récupère-toi, va. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Je sais même pas aller où la ville comparée à la tour des cieux. Mais t'es arrivé à la ville du 6ème badge? Mais normalement, tu étais à la ville du 6ème badge. C'était celle avant, oui. Celle que tu passes pour aller à la... La ville, l'arène, c'est l'aérodrome. L'arène, elle, oui, sur l'aéroport. Bianca. La reine, c'est Parsemille. Alors ça, c'est la ville. Et la reine de Parsemille, c'est l'aérodrome, il me semble. Attends, je l'ai pas eu, toi. Théa, j'en suis où? Ah ouais, je l'ai pas... Pourquoi je l'ai pas fait? Je suis un débile. Mais non, ça, j'arrive pas à avancer, parce que je vais à la grotte, et la grotte, il me dit, bah non, t'avances pas, t'as pas le badge. Bah oui. Et du coup, j'ai niqué tout le monde sur la route, j'ai fait la tour des cieux et tout, et... Bon bah je vais aller chercher mon Suicune. Let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, là, les amis. Kalten. Oui. Repose en paix. Ah. Déposer
Scalten. Cercueil. Mais au moins, je suis quand même... J'ai été réincarné en Suicune. Donc, franchement... Je trouve que worth it. Attends. Clairement. Ouais. Toute mon équipe est niveau 32, du coup. Bulldo, danse, pluie, tornade et onde boréale. Bulldo, danse, pluie, tornade et onde boréale, pas mal en vrai. Enfin, pour un Pokémon que tu viens de capturer, j'entends. Capacité spéciale, c'est quoi? Ah oui, ils sont tous niveau 32. Je suis fier d'eux. Oh, mais mes tocs sont comblés. C'est qui tousse là? Ah pardon, c'est ma fille qui... Ah d'accord. Elle tousse normalement alors qu'elle est en train de dormir en même temps. Oh. Ah, un coup de froid peut-être? Je sais pas, elle est vachement enrhumée et elle tousse beaucoup depuis quelques jours. Ouais. En même temps, les écoles... Ouais. Voilà. À la suite, c'était la grotte, t'as dit, du coup? Ouais. Après là, ça va tout en haut à droite de la tour des cieux. Bah, justement, tout en haut à droite, comme juste après la grotte, elle est gardée par un haut. Un dresseur, en tout cas, qui est en haut. Ah, c'est un dresseur. Alors, en tout cas, j'ai un montagnard là que j'affronte à l'entrée de la grotte. Il m'a sorti haut. Bah, sort une attaque pierre. Enfin, roche. Non, feu. En tout cas, haut. Je l'ai surfé dans la tronche. Findus va prendre feu d'enfer. Mais c'est pas une attaque ultra giga puissante, ça? Je sais pas, je connais pas. Suicune ne peut pas prendre point glace, forcément. Puissance 100, ah non. Pouvoir 100, précision 50. PP 5. Franchement, ça me tente moyen. Hein. Une attaque à 5 de PP, je trouve ça un peu à chier. Moi, je préfère les attaques à 10-15 de PP. Tu vois, un bon lance-flamme plutôt qu'une déflagration, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça, évidemment. Pour moi, c'est... Cela va de soi. Quoi? Ah, oui. Allô, t'as trouvé quelque chose? J'ai essayé hier de bidouiller le voice lab pour faire une voix de Kaltine. À quand le OnlyFans de Kaltine d'ailleurs? Le OnlyFans de Kaltine, il est pas prêt d'exister, mais. Ce fut une boutade. Enfin, à moitié, mais on va pas le dire. Oui, mais bon, les vrais savent. Pourquoi je suis... Attends, je peux monter par là. En fait, t'as mis en ligne le prochain objectif de communauté ou pas encore? Pas encore, il fallait que je fasse ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça avant le live, donc je le ferai après. Pas de soucis. Voilà! On pourra mettre de l'argent à partir de demain. Ça, tu fais objectif de communauté, tu fais tout un live déguisé en Sailor Moon, ça fera plaisir à certains. Quel bon humour! J'aime bien. Ça, tu vois? Oui, oui. Merci, quoi. Oh, ta mère! Brume, c'est un peu de la merde, non? Je te rappelle que toutes mes idées sont de mauvaises idées, donc. Vous savez où ne pouvez que finir. Oh, j'ai eu peur! Ah, j'ai eu peur! Pourquoi? Mais Mentali de merde, pardon. Mentali n'est jamais de merde. Mais non, mais il veut pas rentrer dans la Pokéball, il m'énerve. Ah. Mon Mentali s'appelle Firil. Oh. Avant que je change de Pokémon. Tous les Mentali doivent s'appeler Firil, sachez-le. Non. Une armée de Firil. Waouh. Il va dominer le monde. Oh. Objet prendre. Objet donner of chance. Genre NG tient une hyperbole quoi. Dans quel monde?
Il n'y a plus de saison. Toi, un bol, fais pas chier. En sang vague ou joyau glace. Bon, pour l'instant, je vais le mettre là. En sang vague ou joyau glace, en sang vague. Au moins l'ensemble. Ah, bah voilà. Je vais lui mettre le. Oh, il est mignon, il a un tourne-grain, c'est mignon, c'est adorable. Il nous faut un anti-para. Alors, comment je vais l'appeler, le mentalisme ? Fieril. Mais. Fieril 2. Mais enfin. Fieril 2, bon, bah... roi du monde. Mais tu l'as déjà appelé Fieril ? Ayou Fieril ? Ayou Fieril. Non, merci. Moi, j'ai pas de Pokémon qui s'appelle parce que j'ai que des Pokémon masculins. Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Un apitrini ? Tu t'es cru pour un apiculteur, espèce d'enfoiré ? C'est rigolo. T'as même pas souri. Qu'est-ce que tu me racontes ? Non, mais j'ai pari parce que j'ai trop apprécié intellectuellement. D'accord. On va dire ça. Depuis quand t'es intellectuel, toi ? Là, t'as rigolé. Alors, les enfants, il va falloir se soigner par contre. Ah, j'ai qu'une hyper potion. Les enfants, il va falloir changer de Pokémon surtout. Tiens, Cajoline, parfait. Tant que Nocturne n'en a pas poursuite. Vas-y, dépose un PC. Tu déposes un PC dans les Pokémon, toi. Ouais. Oh putain, Ayupa, ça y est, il est déchaîné. Bon, bah, santé, ah, Ayupa. Je l'ai pas fait en début de stream, mais là, ça va, il t'en reste plus beaucoup, normalement. Oui, bon, trois gorgées, c'est fait. Capacité. Un peu plus que trois gorgées, quand même. Il me reste un peu plus de la moitié, je crois. Après, c'est une DSP, ça va. Bah, on s'en rend pas compte, mais la DSP c'est quand même 6 degrés. Hein. Pour une bière, c'est relativement correct. Bon, moi, pendant que j'étais en rue, j'ai bu une petite lef. Oh ! J'ai pas piqué des hannetons. Non, pas piqué des hannetons. On va mettre catch en premier, tiens. Je pense que du coup, je me suis trompé de route avec ces canons-là. Prendre le multi-exp, parce que du coup, Findus est déjà monté de niveau. On va donner le multi-exp à NJ. Et l'œuf chance d'NJ, on le donne à catch. Maintenant, à partir de maintenant, je vais être insupportable sur les transferts d'objets et compagnie. Hein. Sachez-le. T'as bien raison. T'as pas besoin de ça pour être insupportable. Tu wipes tellement de fois que. Je t'emmerde. Ah! Peut-être que Manternel face à Funessir, c'est une mauvaise idée, en fait. Un petit peu. Elle sauvage apparaît. Non, et Dol aussi a un modulateur de voix. Toujours. Hein? Ah oui, eux. Ah c'est bien, ils me font... ils m'avancent. La team plasma t'attend. Ah, quelle bonne blague. Mais niquez-vous. Putain, maintenant que j'ai mis cash en premier, je vais rencontrer que des funessires, quoi. Si ça, c'est pas un fail. C'est à survie. Tiens, j'ai plus de vision sur le stream, moi. On va faire mon teubé avec... Voilà. Non, c'est pas par là. Ah, mais c'est ça, j'ai pas... J'ai pas mon... Ma page Tipeee Stream, là. Ouais. C'est pas nous.
J'avoue que ça n'avait choqué strictement personne. Bah oui, mais c'est moi en fait. Le truc, c'est que si je veux savoir qui a utilisé des bits, vu qu'on n'a pas d'alerte, eh ben c'est même pas marqué sur Tipeee Stream. Non, mais je me vois top 1. Ah bah voilà. 100 bits utilisés, c'est-à-dire que j'ai dépensé l'équivalent de 3,50€. Ouais, peut-être à peu près. Moi j'ai payé genre 7,50€ les 500. Donne tes Pokémon à la science, mais il est fou. Hein. En vrai, j'ai peut-être rééquilibré un peu le truc parce que c'est peut-être un peu cher quand même pour 45 secondes. J'ai mis le. Oui, mais bon. J'ai mis le temps maximum, hein, mais. Un bit par seconde. Oui. Un bit par seconde, ça ferait 60 bits la minute, quoi. Oui. Sauf qu'on ne peut pas faire 1 minute. C'est maximum 45 secondes. Eh ben, tu lis juste par deux, ça fait 50 bits les 45 secondes. C'est très, très raisonnable. Oui. Donc, c'est pas quelque chose... Faut prendre les 3 quarts, en fait. Donc... Ça portera du négatif, quoi. Bah, du coup, ça fait 45 bits, finalement. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Cache mon niveau 33 ! J'espère qu'on va voir un infirmier bientôt, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, il y a monsieur qui a... Ah, c'était un Pokémon. Il y a monsieur qui a posté un... Il y a monsieur qui a fait un post sur le Discord avec la capture d'écran de la capture de son Pokémon. Il a bien raison. J'espère que tu as senti la fierté dans mon post. Beaucoup trop. Captain qui d'ailleurs suit Captain, pardon, qui d'ailleurs monte à niveau à l'heure actuelle. Ah! Je l'ai capturé niveau 33, il est niveau 38. Il est en train de faire l'arène à lui tout seul. Et ta. En stream de guerre. C'est... Exactement. C'est ce qu'on disait quand on était petit. Mm. Oh, j'en ai marre des autres. Ta mère. Voilà, j'avais envie de caser ça. Bon. Il s'agit très certainement du dernier dresseur avant le chef, enfin, le maître d'arène. Ah non. D'ailleurs, en parlant d'arène, vous en êtes où dans Pokémon Perle et Diamant, vous deux? Troisième badge. Ouais, Pokémon Perle, je viens d'avoir le premier badge et Pokémon Diamant, je vais bientôt l'avoir. Moi, je viens d'avoir le troisième juste avant de. D'ailleurs, j'aimerais bien le streamer demain après Hotel Dusk. Voilà. Je casse ça, hein. Excusez-moi, je fais ma promo. Perle ou diamant sur la pépi? Perle, je pense. Perle. Le prochain stream sur la pépi, je pense que ce sera... Ah, ta mère. Metroid, oui. Et ce sera très certainement jeudi. Moi, j'ai vu du Metroid speedrunner ce matin, c'était cool. Ah oui, MV qui le fait. Ouais. Mais il l'avait déjà fait... Bah oui, du coup, j'imagine qu'il l'avait déjà fait. Bah, il y a pas très... Enfin, si, il est quand même loin dans le monde du speedrun, mais il le fait en 1h30, quoi. En speedrun. Non, non, mais si c'était pour apparaître et m'emmener devant N, je le voyais déjà, t'étais pas obligé de me... Le World c'est 1h20, je crois. Ah, il est bien placé, en fait.
Ouais, ça va. Et j'imagine que tu es dans la grotte, alors... Idol. Oui, je viens d'arriver. Ouais, t'es à côté de Katlan, quoi. Dans la grotte électrolyte ? Ouais. Ah oui, mais Albert devant Funessir, ça va pas le faire, par contre. J'ai mon badge. Catch et Funessir. En vrai, je mettrais bien... Ouais, mais tous mes Pokémon, là, c'est un peu compliqué. Je vais mettre Cajoline et... Ouais, mais je vais mettre... Attendez, je vais mettre Cajoline en premier avec l'œuf chance. Oh, la Bianca, mais laisse-moi mais tranquille. Nique-toi. Tu vois, c'est ce que j'aime bien dans le Diamant et Perle, c'est qu'il n'y a pas Bianca. Ouais, mais enfin, t'as ton rival. Est-ce que c'est vraiment mieux? Ouais, il est moins chiant. Oh. Faut qu'on revoie la définition de chiant tous les deux, hein, par contre. Oh, mais les amis de Pokémon, ils sont chiants, en fait, la plupart du temps. Hein. Oh, N, il veut m'agresser. Ça dépend lesquels. Mais nique-toi! Ah, magie rêve! Dis donc. Et sinon, vous avez passé une bonne journée? Ça dépend. Ouh, ouais, alors toi, ça va? Mieux. Mieux. Oh putain, quand même. Ah, mais surtout, c'était attendre dans le froid, tu vois, dehors comme un con pour te dire ah bah lol, nope. Ah ouais, non mais... Ah, du coup, t'es prioritaire pour une date... Même pas! Ils veulent pas décaler le planning! Oh putain... Putain, et, mais franchement, y a... là, je suis désolé, mais il n'y a aucun respect, quoi. L'administration française. Non, mais c'est même pas... Non, c'est pas l'administration française, c'est la gestion de cette boîte, en fait, de cette auto-école. Non, non, ça, c'est les inspecteurs. Oui, enfin, voilà. Et c'est le truc, c'est que quand il y a des annulations comme ça, c'est pas l'auto-école qui est en tort là, c'est juste les inspections qui font qui prennent au dernier moment en mode lol nope quoi. En même temps, le mec était malade donc, oui, bah après, c'est voilà, c'est pas de bol quoi, mais au moins que à vous, clairement, on... voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On s'en rend qu'il soit malade, il y a qu'à faire le nécessaire pour. Mais ouais, non, mais voilà que... Qui devait passer le journée, tu vois. Ouais, voilà. Tu sais, ils auraient pu faire rallonger ça, ou je sais pas, qu'un autre prenne sa relève, mais non, même pas. Non. C'est ça. Non, non, mais il y avait pas... Comme je disais, pas de respect là-dedans. Oh, sérieusement... Bon, j'en suis à l'infirmier. Ah, mais nique-toi! Mais tu sais qu'à l'entrée de la grotte, il y a vraiment une maison en plus. Oui, oui. Non, mais je sais pas, t'avais l'air de dire que non. Ah, si, si. Enfin, moi j'ai posé la question. Oh! Ça, c'était beau. Moi, j'ai posé la question et c'est Ayupa qui a dit non et moi, j'ai fait si. Ah, j'ai encore rien suivi. Chiren qui veut se battre, mais sérieux. Hein? Je me fais agresser par Chiren. Oh. Une vie classique dans Pokémon. Hein. Ah bah oui, ça oui. La saison 4 par rapport à la 5, on en a qu'un rival chiant, là on en a deux. Bah attends, la saison 6 on en a 4 hein, quand même. Est-ce qu'on en parle? Je l'ai pas fait la 6. Eh ben, moi c'est une de mes préférées, mais bah c'est XY, celle de... qui se passe en France. Ah oui, c'est celle qui a une bonne histoire. Alors c'est ni pour l'histoire, ni pour les rivaux que j'aime cette génération, d'accord? Non, mais j'aime beaucoup l'histoire de XY. Hein. Ah bon? Je tiens à préciser, je trouve qu'elle est vachement mieux par rapport aux autres avant. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas, c'est pas ça qui m'a le plus plu, honnêtement. Fun fact, j'ai un Suicune, donc Chiren a décidé d'avoir un Raikou. Pardon. Je ris de me voir si belle en ce miroir. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. À
tes souhaits. Oh, je suis con, moi je tue des Pokémon et tout, puis j'ai oublié d'en prendre un, tant pis. Ah. Ah non, je peux pas éteindre la fenêtre voice mode. Ah si. Je sais pas pourquoi ça va pas marcher tout à l'heure. Mais nique-toi! Voilà, comme ça, j'ai un peu plus, mais... Bon, tant pis. J'ai un peu plus de choix au niveau des voix directement accessibles. Par où? Oh non. Oh, ça va me saouler. Et là, tu m'as vu. Créfolé, youhou. Créfolé. Au calme. Ah ouais, très bien. Ok, ça va être pas mal. Donc. Attends, moi, ce sera un live. Je crois qu'en fait, ça va être ça. Ça va être un live. Juste, je me promène dans la grotte électrolyte. Créfolé n'est plus. Adieu. Tu es créfolé! Bon, il appartenait à un dresseur, c'est pas grave. C'est super triste. Bon, comment on fait pour l'enlever? Ah! Okay. Bon, Cajoline monte au niveau 33. Parfait. On va appeler un autre Pokémon. On va appeler. Xanax. Ah, parce que les Pokémon sauvages, ils sont tout le temps en train de m'attaquer. Eh bien, arrête de te faire attaquer, enfin. Hello, tu as trouvé quelque chose? Mais meuf, j'ai même pas le temps de faire trois pattes et de me faire chier. Que penses-tu de Bianca, dis-moi? Ah, c'est même pas Bianca, c'était la prof. Ah, d'accord. Pierre. Ah non, attends. Il y a un truc ici que j'ai pas exploré. Suis-nous, mais j'ai pas envie. La team plasma t'attend. C'est... Un peu de respect. J'espère qu'il va pas me lancer d'attaque électrique. Moi, de toute façon, je lance des psy-coups de boule. Je viens d'avoir la CS 3 ou 3 surf. Mais nick. Ah, nice, ça. Suicune et surf, c'est très bien. C'est plutôt pas mal, en vrai. C'est... Surf, ça doit être la meilleure CS. Mais putain! Oui, clairement. C'est un attaque utilisée en stratégie, donc oui, c'est... Plus trop maintenant, mais... Ça dépend quoi. 2v2, ça doit être utilisé. Ah, généralement, on va préférer quand même ébullition. Oui, mais en 2v2, c'est quand tu veux taper. Ah oui, en 2v2, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend. L'ébullition est bien meilleure. Et tu vois, c'est ce que j'aime aussi dans Diamant et Perle, c'est qu'on a pas besoin de les apprendre. Oui, bah ça, après, je préfère encore le système des Pokémon tueurs, tu vois. La place de Buldo. Oh, il me saoule avec son abri, lui. Oh. Tout va comme tu veux? Mais enfin... Tout va comme elle veut. Je pense, oui. Il y a un Papinox qui est en train de me rendre dingue. Ah, j'en ai rencontré un tout à l'heure, Papinox. Mais... Oui, ben, à chaque fois que j'essaye de le buter, que je suis sur le point de le buter, ben, il me fait un cyclone et puis ou bien il se fait un rayon lune. T'as croisé quoi dans la grotte comme Pokémon Zaki, toi? Ça dépend de l'étage en fait. Mais typiquement, en tout au fond, j'ai trouvé des Evoli. Et en bas, t'as trouvé quoi avant que j'y rentre? Tu veux dire en haut? Parce que je t'ai dit en bas, il y a des Evoli. Oui, ben en haut, pardon. En haut, j'ai trouvé que des Pokémon de merde. Je crois que j'avais tombé sur un Charthor un moment.
Il y avait un non, c'est un crack. Non, c'est pas un crack noix, je pense. Si, il y avait un crack noix, je suis tombé dessus. Crack. Oui, c'est bien. Ça donne pas envie d'y rentrer. Hop, allez, j'y rentre. Comme papa dans maman. Choqué. Ça glisse tout seul. Quel petit fil de. Ah, un fant. Un cacnéa. Un fant. Ah, j'ai pas d'antipara, dis donc. Bon bah j'ai eu mon fampi. Félicitations pour avoir eu ton fampi. GG. C'est qui GG? C'est une femelle. Elle a une longue queue et c'est une femelle. Bah femelle. Non, j'ai déjà femme. Ah oui, c'est vrai. Bah je sais pas moi, une femelle avec une longue queue, bah elle chimaille, à part ça je vois pas. Non, hein. Oh, Mother. C'est vrai que ton idée était excellente, mais... mais et c'était trop tard. Je savais. Ah, je suis déçu. Un Mewtwo. Un Mewtwo. Ok, la Team Plasma, elle a un Mewtwo. Non, mais il y a un sbire de la Team Plasma qui m'avait sorti genre 2 ou 3 légendaires d'affilée, quoi. Et ensuite, ils te font chier pour avoir ton germignon. Et son boss, il m'avait sorti quoi? Des tournegrins. Ah, mais alors, quel tournegrin? L'anti-pouvoir. Par contre, je crois que là... on en est où de la forme de mes Pokémon? Ouais, ça craint un peu. Mais non. Si je... Quoi? Non, il est fou, lui. Ok, s'il a une G. Une hyperboule, d'accord. Mais non. On va y arriver à faire ce que je veux. Un Scalcroix. Elector. Oh, bonjour. Ah, c'est l'évolution de Scalken, Scalcroix. Oui. Un Pyroli. Je les one-shot tous ces Pokémon, se trouve. Voilà, on a commencé à apprendre. On a le vent en poupe. D'accord. Ça a servi à quelque chose de venir là ou bien. Un total soin. D'accord. Ah, mais parfois tu vas à des endroits qui te servent à rien dans cette grotte. Bah oui, bah je vois ça, oui. Souvent. Tu sens la blasitude. J'ai des repousses ou pas? Je jure que dans Perles et Diamants, les repousses sont mes meilleurs amis. Ah oui, mais grave. Ah, Ariane va prendre Dracoqueux. Mais Ariane... Ça sera mieux pour Ragan ? C'est mieux, je crois que c'est 65 de pouvoir au lieu de 40. Ouais. Dracoqueux, ça n'a pas speed moins 6 et ça change de Pokémon ? Il me semble. Ça me dit un truc, oui. Il me semble bien que ça change de Pokémon. Tu aurais dû vérifier avant. Oui, non, mais de toute façon, ce sera mieux. Gros. Ah. Oui, donc je voulais vérifier si je voulais j'avais des repousses. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Là où il y a toutes les potions, tout ça, donc je pense pas que ce soit objet. Ah. T'as pas l'air d'en avoir, c'est ça? Non. C'est un échec. Échec critique. Oh merde, je suis revenu au début.
D'accord, donc de la grotte avant de sortir. Ici, c'est le début. Putain. D'ailleurs, j'avais eu un funessier dans cette grotte. Eh bien, c'est un très bon Pokémon. Enfin, ça va le devenir, en tout cas. Parce que ça l'est absolument pas pour l'instant. Ouais, mais je l'ai même pas mis dans mon équipe. Motusma, bon, ça va. Motusma et Bouchkouzusma. Bref. Allez, il y a un blanc là, rigolez. Non, c'était nul. Grugnugneu est confus. Je m'étonne, avec un nom de pareil, c'est pas de facile. C'est ta faute. Bon, il arrête d'être confus là. Il va plus s'appeler Grugnugneu, il va s'appeler Confugnugneu. C'était nul, mais j'ai soufflé du nez. moi j'en suis à la prochaine arène du coup. Ah, c'est tellement méprisant. C'était nul mais j'ai soufflé du nez. Ça m'a fait plus rire que toi pour dire. Ah mais là franchement ouf. Oh, un deuxième multi-ex. Ah pas mal en vrai. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, tu as la 7ème arène, Zielki ? Ouais, du coup, l'arène glace. Est-ce que du coup, les légendaires, ils sont remplacés ? Ils sont remplacés par d'autres légendaires. Ah, ok, cool. J'espère que ce sera Mew, mon légendaire préféré. Bah, y a rien à ça faire. Va être genre... Ça va être quoi ? Ça va être Fionn, tu vas voir. Non, je suis sûr qu'on va voir les dieux sur leur nuage là. Ah, je sais pas. Ça se sent. C'est que tu t'es pas lavé. Pardon. Wow ! J'suis en train de réfléchir, mais si j'ai pris une douche aujourd'hui. Pour une fois, il est propre. J'essaie de me tenir aux 3 douches par semaine. Oh, une Master Ball. Je l'avais pas qu'on l'avait aussi. Voilà. Bon. Quoi? Bah... Je l'avais pas eu. Et j'ai tout de suite une 100. Oh, je suis un génie. Ah bah voilà. J'ai trouvé la Master Ball dans la grotte électrolyte. Voilà. J'ai un talent que vous n'avez pas, c'est tout. Hein? On va dire ça. C'est quand même mon deuxième légendaire en deux runs. En 4 runs. Posez-vous des questions. Ouais, ok, c'est le mec. C'est le mec qui en rajoute à chaque fois. Ouais, j'ai pas besoin de ça pour gagner. Pas besoin de légendaire pour gagner, nous. Hein. Ouais, je suis sûr que si on fait un duel, je gagne. Mmh, ouais. Bon, enfin, j'ai une équipe niveau 50-52. Oui, bon, si on rééquilibre le tout, wesh. Ouais, non, si on fait un duel dans l'état actuel des choses. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à XP, là où d'autres sont juste bloqués dans une grotte parce qu'ils n'ont pas de sens d'orientation. Je t'emmerde, cordialement. Oui, moi aussi. Ah, le sel. Vous remettrez bien un peu de sel sur votre rage. Bon, mais... La fiente de la colombe n'atteint pas le fiacre. Rip. Ah. Ménic. Le chemin était long. Si tu gagnes contre mes Pokémon, je te soignerai. Est-ce que je peux avoir du soin ? J'aimerais bien retrouver mon cher et tendre... Mon cher et tendre infirmier, là. Tu t'es beaucoup contre des Noctumars, toi, ce soir. Putain. Tu trouves aussi. Ah, un Terral. Je pense que Surf, ça le one-shot. Absolument. Ah, ça... Merde. À tes souhaits. Qui veut des éternuements de robot ? Ou de fantôme ?
merci. Allez, on va s'en passer. Arcus, oh bah ça va. Oh. Je suis en train de développer un syndrome du canal carpien. Oh. Je te jure que depuis ce matin, tout mon cou de mon bras et mes doigts. Mais c'est exactement le bras sur lequel je me suis fait opérer l'année dernière. Donc c'est fort probable. Non, ça je sais pas. Je m'étais fait opérer du nerf cubital parce qu'en fait il était oui. mal mis. Mmh. Ils avaient dû le bouger. Oui, je me souviens de ton opération, oui. Ouais, voilà. Et ça me refait mal. Non, au pire, si ça poursuit quelques jours, peut-être consulter du coup. Oh bah j'ai un rendez-vous chez le doc. Ah, mauvaise idée. Pas ton rendez-vous chez le doc, hein. Je parle de ce qui se passe dans ma game. J'ai un rendez-vous chez le docteur le 14, ça va. Le 14 décembre ? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai une semaine chargée en rendez-vous cette semaine-là, je crois, parce que j'ai mon nouveau appareil auditif. Oh. Chez le doc. Et le psy, c'est la semaine d'avant, donc c'est ça. Et là, effectivement, ça fait pas mal de charges. Putain ! À tout ça, il faut ajouter la charge mentale de supporter certaines personnes sur ce Discord. Certaines personnes qui ont un humour très douteux. Franchement, c'est pas gentil pour Zilki. En plus, c'est vraiment de hasard. Pourquoi moi ? Parce que ! On se pose toujours la question du pourquoi, mais jamais celle de pourquoi pas. C'est pas deep. J'approuve. Il y a un mamouchon, le mec. Le Pokémon que j'aurais jamais d'entendre parce que le putain de marque à crin n'a pas pouvoir antique. Bah, il apprend pas ? Non. C'est pas une attaque qu'il apprend. Par contre, il m'a filé 3000 XP le machin avec la chance. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. NG est KO. Non. Pose en PNJ. J'espère qu'il nous entend de là où est-ce qu'il est. Ce jour, nous célébrons la mémoire de Zielki. De Zielki, n'importe quoi. De NG. Skalten est mort, NG est mort, Zielki est mort. Ça va, Zielki? Ah, deux doigts qu'elle gueule sur la prochaine. Voilà. Et on fait aller, écoute. Plus vivant que mort, en tout cas. Ah, c'est bien. Rayquaza, salut. Qu'est-ce qu'ils ont tous à avoir des légendaires en plus des calmes. Le pire c'est que c'est que des sbires. Non, c'est même pas des sbires. Non, c'est même pas. C'est des meufs. C'est pas des meufs, on dit c'est la gente féminine. Non, là c'est des meufs. C'est une fille, elle a le droit. La grotte elle est tellement grande qu'on aurait dû prévoir de capturer un Pokémon par étage. Ah bon ? Elle s'appelle comment la grotte ? Attends, je vérifie. Ah mais par contre, moi il va soigner Angie, l'infirmier là. Eh bah tu ne l'utilises plus, c'est le Mont Forêt. Mont Forêt, ah oui, peut-être. Il est très différent quand il est en hiver d'ailleurs. Un Zeblitz. Donc sachez qu'il va être très différent à partir du mois de décembre. Zeblitz, c'est pas un Pokémon légendaire, ça ? Absolument pas. Ah non, c'est juste un Shiny, en fait. Ah ! Bah, c'est intéressant. Mais je peux pas le capturer. Eh ben, c'est moins intéressant. Puis en fait, quand il est apparu, il y avait plein d'étoiles autour de lui, mais je pense que comme il est un peu violet, sur les images, il est noir, normalement. Ah oui, Zeblitz, violet. Là, il est violet. Oh ! Bah, tant pis, il est mort, maintenant.
Repose en paix. Donc ben, Engie, on va le mettre tout en bas. On parle quand même d'une soirée où j'ai réussi à voir un légendaire et j'ai vu un shiny. Incroyable. Attendez, il est où Ah non, faut descendre là. Le rocher est couvert de glace, c'est frigorifiant. Bon. Je prends l'œuf chance de Engie, hein, pour m'autoriser. Ah mais cet endroit ne sert à rien. T'es sorti de la grotte, toi? J'ai l'air d'être sorti de la grotte, là. J'ai même pas trouvé l'infirmier. As-tu trouvé la Master Ball? La Master Ball est au début. La Master Ball est au début, non, je l'ai pas trouvé. Tu l'avais trouvé, toi, Zelki, la Master Ball? Je sais plus, peut-être, oui, non. En toute précision. Attends, je finis mon combat, là. Je vous avoue que non, je ne l'avais pas. Oh putain, il a ténèbres, le con. Ouais, mais c'est nul. Ouais, ce rythme-là, mon Pokémon, mon starter, il va évoluer. Eh bien non, je l'ai pas trouvé. Eh bien, vous auriez pu. Oui, on n'y a pas mis d'une autre, on sait, c'est bon. Bah oui, mais écoute, c'est comme ça, il y a des gens qui veulent pas bosser. Je suggère que tu nous respectes. Parle de toi, là plus. Non ? Si, quand même. Oh putain, il y a des miasmax ici. Des miasmas, pardon. Putain, j'ai l'impression. Il va déjà être 23h, j'ai l'impression de n'avoir rien fait ce soir. Ah, mais clairement. Clairement. Ah, je suis même pas sorti de la grotte. J'ai commencé dans la grotte, je finis dans la grotte, quoi. Alors, celui qui a le plus avancé dans l'histoire, c'est celui qui arrive en retard. Bah oui, mais parce que t'étais... Pour aller aussi dans mon forêt. Il a trouvé la bonne route dès le début. Ouais. Et il avait des repousses, peut-être. Chut, enfin, si, t'avais des repousses. J'en ai, oui, mais je n'ai pas utilisé. C'est cela, oui. Bon, bah voilà. J'ai... J'ai un Majaspic. Oh, nice. T'as la fréquence d'apparition dans le mont, la grotte électrolyte, elle est insane quand même. Oui. Dans le mont fort aussi, je t'avoue. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est assez insane de base. Mais putain! Mais je viens de sortir du mont forêt, je vais devoir. Incroyable! J'ai un nouveau Pokémon. Incroyable! Mais genre, elle a rencontré N là! Ouais, puis j'ai jamais rencontré l'infirmier par contre. Ah! C'est un problème! Ariane monte au niveau 34! Ouais, bien joué la fusée. Bon, par contre, faut bien que je me souvienne de ne pas utiliser Voltali. Enfin, Engie. Ah, de la team. Ah bah, c'est bon, t'as trouvé le chemin. Ouais, bah, en fait, la famille, elle est juste à côté des premiers... premier mec de la team. Je crois que... J'ai pas vu quel Pokémon c'était. Je me souviens bien, il a un tourne-grain, c'est tout. Mais qui? N, il a pas des tourne-grains? Mais Nick! Si, si, ça me dit quelque chose, hein. N qui a des tourne-grains. Ah oui, il y a un tourne-grain. Non, non, ça m'avait fait rire, parce qu'il était en mode, je vais te défoncer. Tourne-grain, vas-y. Utre-saringue. Utre-saringue? Non, elle a planté. Il est parti. C'est Dodol qui a planté. Dodol a planté? Je pensais que c'était Kalten qui avait bug, mais non, c'était moi. Et... Ah, un joyau glace.
À votre avis, quel Pokémon ai-je trouvé en sortant de la grotte? Tournedrin. Non. Alors, donne-nous des indices. C'est un Pokémon haut. Poissirène. Qui n'évolue pas. Magic A. Corraillon. Il est petit et bleu. Il évolue. Ah, il est... oui, effectivement, il y en a des E là-dedans. Fion. Ah, Mewtwo, bonjour. Il a dit oui à qui? À Fion. Ah. C'est un Pokémon un peu naze, non? C'est le plus nul des légendaires. C'est un légendaire? Oui. Ouais, c'est... Enfin, c'est un... Oui, si, oh. C'est considéré comme un légendaire pour la VGC. Non, pour la VGC, c'est capturé. Quoi? Je l'ai capturé à la première Super Bowl, quand même. Pour la VGC, c'est considéré comme un légendaire, tu n'as pas le droit d'utiliser. Ok. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, parce qu'il est vraiment pourri pour le coup. Désolé, hein, mais... Bah moi, je m'en fous, il va rester dans la boîte, mais... Ah bah, de toute façon, t'as pas trop d'intérêt. J'ai trouvé un Roserade, en fait, ici. Ah... Il a pris nul. Non, non, je suis sorti. Avec deux L. Facilitation. Pouvoir me soigner, alléluia. J'ai one shoot Mewtwo, je dis ça comme ça. Bon, t'es si fort. Ouais, je sais. Si fort, si beau, si musclé. Ah oui, je sais. Un autographe à la fois, s'il vous plaît. Waouh. Ça l'a si contrarié que ça? Non, c'était un éternuement de... Du feu de Dieu. Faut refaire la tapisserie maintenant, monsieur. Heureusement que j'ai terminé dans mon coude, parce que sinon mes écrans là. Mais ils marcheraient plus. C'était. À la Javel qui aurait fallu les nettoyer. Mmh, un écran en glaire. Max Repousse. Oui, je vais acheter un Max Repousse. Oui. Je vais en acheter 100. Ouais, achète-en pas qu'un. Tu m'as compris. Waouh. Ça va, Captain? Tout va bien. Il y a un peu la fatigue qui parle. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Allez, on est parti pour un stream toute la nuit. Oh, peut-être pas, demain je travaille à 8h quand même. Oh. Ah oui, parce qu'on ne commence pas tous à... Ah, vas-y, déjà, continue ta phrase. Non. Pas 10h30, non, pas 10h30. 10h quand même, non? 10h, oui. En fait, tu fais quoi quand c'est comme ça? 10-18 ou 10-19? 10, j'ai fini mon taf, en fait. Ah, ok. C'est bien ça. Voilà. Là, typiquement, ouais, je suis resté jusqu'à 19. Après, honnêtement, même si j'ai pas fini mon ticket, si je joue trop tard et que ça me prend la tête et que j'y arrive pas, je repars. Hein. Oui, oui, bah, de toute façon, arrivé à un moment, tu sais quand est-ce que tu es utile ou pas, quoi, donc... De toute façon... Moi, je le sais toujours pas. Quand j'ai signé chez Decathlon. Oui, mais toi, c'est... Voilà. Oui, oui, Decathlon. Oui, je travaille chez Decathlon, tu vois. Oui, oui. Ils ont directement dit, si tu ne travailles que 5 heures, c'est pas un problème. Là, oui. Je pensais que tu ne fasses pas un burn-out à l'heure. Oui. C'est pas mal, quand même, s'ils sont assez... Ah, s'il y avait plus de boîtes comme ça, putain. Ouais. Moi j'ai un pote, justement, ils sont en train de rentrer en burn-out, ça sent... Ouais. Après ça dépend, même à l'intérieur de une même boîte, ça peut dépendre des équipes. Oui. Oh. Galukan, merci beaucoup pour ton raid, bienvenue à toi et tes viewers. Merci pour ton raid, Galukan. Bienvenue les gens. Comment allez-vous? Namalia, coucou, comment ça va? Allez-y, installez-vous. Ouais, installez-vous. On est bien. Regardez tout ce qu'on peut faire. Hello, Galukan. Merci encore pour ton raid. Ah, Elector. Oui, sur la route 8, juste à côté de Flocombe, je suis remonté, il y a un Darkrai qui m'a agressé. Ah, moi, j'ai trouvé que des vieux crabes nommés 2. J'essaie de le capturer ou pas? Mais ça va, ça va. Toi depuis l'autre jour, bah ça va bien, merci Galukan. Légendaire, quoi. Il y avait des lagrons en fait aussi. Oui, mais j'ai eu Fion à la place. Pardon, c'est drôle.
Qu'est-ce qui est drôle? Que t'as eu Fionn à la place. D'accord. Ouais, je suis. Ok, bon bah. Merci pour ton raid, Mother. J'espère que ton stream s'est bien passé. Oh, il fait des ectoplasmas. Je sais pas, je les ai pas encore. Non, mais tu sais, dans les étendues de flotte, là, en fait, je tourne en rond et je tue un peu tout. Ça me permet de. Non, tu ne l'aurais pas eu. J'espère que tout le monde va bien, du coup. C'est la première fois que j'ai deux raids d'affilée. Par contre, je crois qu'il y a eu un bug, parce que quand j'ai capturé le Darkrai, quand j'ai tué le Darkrai, il m'a filé quasiment 50 000 XP. Ouais, mais en même temps, c'est un Pokémon fabuleux, donc, enfin, pas fabuleux, mais ouais. Secret, quoi. Pokémon Event, c'est ce que je veux dire. Différence graphique. Pokémon Diamant Perle, il est de Diamant Perle. Blanc et Noir, il est de 2010, il me semble. C'était à l'époque sur Game Boy, évidemment. Sur DS. Donc même pas sur 3DS. Et il y a un bug pour l'attente qui était assez compliqué à faire. Tu traversais la map. Pour Darkrai ouais, peut-être, oui. Moi, je me souviens de ça pour notamment bah, Shimin, que t'avais un peu sur le même principe. C'était plus connu pour Shimin, je pense, que pour Darkrai. Ah, moi, je l'avais juste pour Darkrai où il fallait... Hop, un otari attrapé. C'était dans la ville, il fallait faire un certain nombre de pas, et à partir du moment où il fallait prendre l'eau et traverser un escalier. Hello les enfants, comment allez-vous? Je sais pas qui, du coup je ne sais pas qui fait, je ne sais pas qui fait les dons pour les bits. Mais bienvenue à vous. On a Mother Sayuri. Mother Sayuri. What the fuck, eh ben écoute, voici la nouvelle feature du live. apparemment ça plaît plutôt bien à Yupa. Hello, 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 vous êtes chaud. Moi j'aime plutôt bien cette nouvelle feature. J'espère que vous aussi. Et nous avons gagné le combat contre Amim Junior. Je suis fan. Et c'est lequel? C'est le Very Disco. Le Very Disco qu'elle a utilisé. On est revenu sur le clean? On est revenu sur le clean. Ouais, bah c'était cool, mais effectivement, faudrait en ajustement baisser le prix, comme on avait dit tout à l'heure. Ouais, parce que c'est là, je trouve que c'est un peu cher, effectivement. Mais comment tu fais ça? C'est avec Voice Mode. J'ai cherché, en fait, ta Voice Mode qui a un plugin directement intégré pour interagir avec Twitch. Ah, c'est plus joli ta voix. Merci, Yupsi. Et bon, du coup. Je vais faire la reine de flocon avant d'aller me coucher. C'est génial. Ah, mais moi j'aime beaucoup. C'est toi qui l'as fait, Mozart, du coup? Parce que moi j'ai aucune info. C'est moi. Ah, c'est toi? Ah, d'accord. Ah, nice. J'espère que ça vous plaît comme feature, du coup. Bon, apparemment, ça a l'air de plaire à Mozart. Je sens que je vais dépenser beaucoup d'argent. Mais ouais, je vais essayer de faire genre une seconde, un bit. Comme ça, ça fait 45 bits. Ça fait même pas 50 centimes, quoi. J'essaie de baisser au max. Je need aussi. Eh ben, voice mode, du coup. Alors, moi, pour le coup, j'ai pris une licence. Parce que ça existe en version gratuite, mais tu peux prendre une licence pour avoir plus de voix et plus d'options. Après, la licence à vie, c'est 19€. Je trouve que c'est plutôt correct, hein. Parce qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de voix plutôt sympa, et en plus, tu as accès au Voice Lab, ce qui permet de vraiment essayer de moduler toi-même ta voix. Ok, c'est cool, franchement. Yes, bah typiquement, j'ai essayé de bidouiller un peu pour essayer de faire une voix féminine. Je sais pas si... Attends, je dois pouvoir vous la mettre. Mais bon. Je pense que elle mérite un petit peu plus d'arrangement, parce qu'on entend quand même que c'est juste une voix d'homme déformé, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Je sais pas si, du coup, les autres qui s'en appellent avec moi vont mieux pour essayer d'entendre cette voix. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à faire mieux. Oh non, c'est pas ouf du tout, la voix. C'est pas ouf. Ça fait mégère. C'est très space. Ah ouais, c'est ouais, les mégères dans les dessins animés. Là.
C'est chaud pour essayer de moduler la voix. Écoutez. Je tente, je teste. Ah, ça c'est mauvais par contre. Allez, je tente. Ah, il fait 2 dans slam, c'est bon. Ouf. Je pense que je vais faire un aller-retour à l'infirmier, moi. Trop cool, Katen, que je suis sorti. Oui. Alors que j'étais en retard par rapport à toi. Tu as décidé d'être désagréable, toi, déjà. Non, mais je ne peux pas dire la vérité. En même temps, moi, j'ai une Master Ball. Bah ouf, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Oh, si tu pars sur ce terrain-là, moi, je lui donne mon Suicune. Oh. Tu peux même modifier ta propre voix, genre la mettre plus grave ou autre. Oui, oui, tu peux faire ça, oui. Mais bon, après, là, ce serait... Il faudra encore que je prenne la main sur le... Sur le... Attends, je sais pas si du coup... Si je fais ça, est-ce que ça baisse ma voix? Je sais pas si ça marche, du coup. Je remets au niveau normal. Oh, un duel de légendaire. Et Thrawn versus... Waouh. Je l'ai one-shot. Logique. Mais du coup, ouais, je te passerai le lien si tu veux. C'est Voice Mode et franchement, j'ai trouvé ça vraiment simple d'utilisation. Ouais. Tout est vraiment expliqué. Tu as la 7ème badge au fait, celle qui Non, je veux pas avoir plus de badges d'écart avec Kelten, donc j'attends qu'il ait fait le badge avant de. En attendant, je farm d'XP. Oh. C'est sur le site, j'adore. Eh ben écoute. Voilà, voilà. Sinon, en gros, si je m'amuse pas à faire ce genre de limitation, je speedrun le jeu et... Il y a trop d'écart. Bah oui, mais là, je me fais endormir par... Je me fais défoncer Oursaring par un tournegrin. Tu le mets où, le tournegrin, pour que ça donne ça? De quoi? Mais bah, il était... T'as des Pokémon qui viennent de mourir, quand même. Non, non. Mais en fait, il m'a fait Vampigraine, j'ai été confus et il m'a fait Sifflerbe pour m'endormir. Voilà. Il faut que j'aille manger douche plus dodo car demain je me lève tôt. Eh ben écoute, bonne douche et bon manger et bon dodo à toi. Bonne app plutôt. Bon appétit, bonne nuit. Et bah, amuse-toi bien avec Voice Mode et puis gros bisous à toi. Bonne nuit, ma soeur. Ok, on va faire un aller-retour à l'infirmier. Hein, un score bouboule. J'ai l'impression que un sort bouboule. Bah ouais, je sais pas, ça fait la troisième fois que j'en vois un. Ça. Putain, moi j'ai trouvé des Ptera là où il y avait les Dark Ray, putain. J'aurais bien voulu le voir. Oui, j'aurais bien voulu avoir Dark Ray aussi. Ah oui, c'est Ptera que tu veux avoir à tous tes Nuzlocke, toi. C'est Hermure non plutôt. Mais... Ah, Hermure, oui, pardon. Oh, c'est pareil. Ptera, je l'adore. Cette fois-ci, je la prenais dans la première gêne à chaque fois. Oh là là. Il y a tellement la classe. Mouais. Ouais. Oh. Moi je pense que si sort de s'il le dit, c'est que c'est vrai, tu vois. Ah, Nick. Putain, tout ça pour des miamiasmes, quoi. Où est-ce que je dois aller? Oui. Tax. Ici. Ici. Miamiasme à l'attaque aval. Eh. Oh, le nouveau sort de mano. Comme ça. Et comme ça. Ah ouais. Super. Ok, je suis à la dernière épreuve entre guillemets de la reine. Oh putain, qu'est-ce qui... C'est moi, ça fait 12 ans. Eh ben putain, vous êtes nombreux. Vous savez. Oh ah, ouais. Tata. Je pense que le jour où j'ai un ratata, je l'appelle Rakalten. C'est interdit ça. On va dire que t'es un sacré rat quand même. Mais c'est pas vrai. Tu quand même. Moi j'ai récupéré un pifeuille. Non.
Ah, mais Nick Ouais, non, mais c'est lui qui voulait en Tengalis. Ah, lui ouais. Plante ténèbres. Ouais. C'est Green oui. Piot, ouais. C'est ça, ok. Je fais un truc random, non? L'ennemi est fait, attaque Cajoline. Carapace, oui. Hydrocanon, Cajoline est mort. Non! Et je fais deux pas, je tombe sur un Galam dans la même zone. Putain! T'as jamais les bons Pokémon. Comment avez-vous vécu ce moment? Bah, comme à chaque fois que je te vois, IRL. Mal. C'est pas cool, mec. Ça, c'est pas très gentil. Ah non, c'est pas cool. Je vais pleurer. J'en pense pas un mot, vous savez. Je vais pleurer. Désolidarise de ce message. Tour des cieux. Je me désolidarise carrément. Ouais. Et ben. Genre, je me dissous, quoi. Oui. Fatigué, ok. Fatigué, j'ai un Pokémon qui a failli mourir. Oh le pauvre! C'est pas trop mais cool. Nick. Si j'ai ce qu'il faut pour le soigner, parce que là sinon je vais péter ma tête dans le mur. J'ai failli perdre Fieril quand même. Ça m'aurait bien fait mal. Oui. À tout le monde. Nous avons confiance en toi. Non, mais il m'a sorti un diamant. Ouais, diamat. Oui. C'est le fameux. Qui est mort. Enfin non, toi c'était un trioxydre, mais. Mais tu m'as compris. Allez. C'est parti. Maître d'arène. Oh. Putain, les gens, ils ont. Ah, mais si, j'ai 5 badges. Qu'est-ce que je raconte? Ah, gravement empoisonné, dis donc. Ah, intéressant. Mais pourquoi tu mets des hyper potions sur un Limonde? Allô? Dans quel monde tu vis? Ça va? Aïe ou pas? C'est bon, je vais mettre Zelki. Parce que c'est les couilles. Bull Rock, et puis voilà, j'attends qu'il one shot tout le monde. Eh bien, fais donc. Allez, c'est la pré-évolution de Majaspic. Ouais, ben il va se faire. Voilà, crève, charogne. Quelle violence! Septième Bajaki. Ah! Ça rime! Ouais, j'avais pas de choses plus intelligentes à dire. Hein. J'ai reçu la CT Aval. Oh putain. Ouais, bon. Ah, magnifique. Ah merde, ça aurait été un Pokémon pour catch ça. Pourquoi il y a des ninjas qui viennent de. Le trio des ombres. Bah normalement tu les as déjà rencontrés dans la grotte électrolyte. Ouais mais je sais pas, d'un coup j'ai vu des ninjas apparaître. Ouais. Après ils servent à rien, hein, on est d'accord. Gigalite. Je dois aller à la tour de je sais plus quoi mais. La tour de dragon là? Ouais. C'est au nord. Ouais ouais je sais mais je vais surtout aller me soigner et m'arrêter. Ok. Ah il y en a qui. Commence à 8h et pas à 10h30. Mais je commence pas à 10h30 Toi tu connais Zelki, t'es le genre de personne à commencer à 8-9h, tu vois. Plus 8h, limite 7h dans mes bons jours. Ouais non mais lui il est. En fait c'est pas que je veux pas commencer à 7h, mais si je commence à 7h je m'arrête tôt, et si je m'arrête tôt mon équipe va râler parce qu'ils pourront pas mettre de réunion à 4h. Ouais non mais ça c'est. Ah je suis obligé de... N parce que quand je travaillais seul au Louvre-Lens, je me pointais au Louvre-Lens, il était 6h30.
Ah ouais. Il y avait la femme de ménage qui faisait encore le ménage, on tapait du coup, on buvait un café ensemble et je commençais à 7h. Nous, de toute façon, on n'a pas le droit d'entrer dans les locaux avant 7h15. Oh, moi, j'avais le droit. Heureusement. Et moi, je respecte. Par contre, t'avais pas le droit de rester dans les locaux. Les locaux, t'avais pas le droit de partir après 19h à 19h. L'alarme se mettait, tout était verrouillé. À 19h, c'est chaud, par contre. Nous, c'est 20h. Ah, tu sais, c'est amusé. Mmh. En plus, ouais. Le musée était même pas ouvert au public à ce moment. Attends, finalement, on va utiliser. On va jouer des types. 20h, je pensais que c'était un peu plus tard que ça. Ah, normalement, il me semble que c'est à partir de 20h que les gardes doivent nous virer. Ah, c'est possible. Ça, c'est sur le papier. Ah, il me semble que si, quand même. Je sais que. On a des personnes chez nous qui se sont fait déjà. Comment dire? J'allais dire renvoyer chez eux, mais non, c'est pas la bonne expression, mais vous m'avez compris, quoi. Ouais, on va tous les renvoyer chez eux. Let's go. Quelle horreur! Allez, cajoli. Oursaring contre Oursaring, c'est qui gagne? Ouais, je pense Oursaring, il n'y a pas trop le choix. Eh bien, on va voir ça. Sale race. Je pense à switcher, non? Oui. Oui. Je confirme. Là. Oh. Putain, mais il fait que des coups critiques, le con. Ah bah tiens, pas quoi que. Évite l'attaque. D'où qu'il évite l'attaque. Ok, moi c'est sauvegardé. Ouais. Ouais, moi je m'arrête ici aussi, je suis dans la tour des cibles, c'est bon. Ok. Moi je... Voilà. N'oubliez pas de mettre une petite update de votre équipe dans un Nuzlocke. Oui. Allez, fin d'us, et puis fin de l'histoire surtout. C'est Chion qui s'appelle le Pokémon. Fionn. Fionn. Chion. Mais c'est Tailosup qui me... Ah, c'était beau. J'aurais dit Chion, c'était exactement la même, finalement. Ah, mais c'est. Remarque, faut pas se moquer, Shion c'est un prénom en japonais. Donc faut pas se moquer. Bon, bah moi de toute façon je vais aller. On arrive directement à la ville là. Je sais pas. Je me rappelle plus. Oui. Ok. Voilà. Parce que bah, du coup, je vais aller au centre Pokémon enterré en NG. Puis voilà. Oui, il est mort, c'est vrai. Bah oui. Deux morts ce soir. Toi, un, moi, un. Hein? Tu as deux morts ce soir et j'en ai un. Non. Non, j'ai qu'un seul mort. Moi, j'en ai un. Ouais, il y a deux morts au total, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et c'est triste, hein. Osef sur 20, toujours niveau 11, ça, c'est beau. Ça, c'est... Et ça, c'est unique. Un plan plat de frites, une pensée pour les Nordis. Un plan plat de frites. Ah, pour... Oui. Nice. Na-na-na. Mon Fampi avait quoi comme capacité spéciale? Matinale. Incroyable. Eh ben, c'est sûr que j'aurais pas pu l'appeler Captain. Hein. Ah, Osef sur 20 est toujours là, au niveau 11. Je note. Imagine Captain, un Fampi donc, un Pokémon longue queue. Oui. Avec Matinal, tout ce que t'es. C'est exactement ta description. Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde quelque chose?
Finalement, il s'appelle Mozart. Ah, c'était mon quatrième mort. J'ai... Est-ce que j'ai quelque chose pour la case? Oh, j'ai 4 morts également. Ouais, mais bouf, pour prendre DreamWorks. Niveau 27, 35, 21, 47. Je pense que je verrai la route d'après pour capturer un Pokémon. Ce serait bien que je soigne mes Pokémon, par contre. Est-ce que j'essaie quand même de capturer un Pokémon pour la toute fin? Je pense pas. D'accord. Moi, j'écoute ce que Ayup a dit. Je pense que là, la chance a tourné et qu'il faut dormir afin que la chance se régénère. Reset. Bah écoutez, à ce moment-là, on va sauvegarder ici. Bah, il est en train de me rattraper, petit filon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? YouTube. Bon, d'accord, on a fait sauver celle-là. C'est quoi, c'est des fruits? Du fromage frais. Mais moi, je pense que je continuerai un petit peu d'explorer la grotte électrolyte. Il y a encore des routes que j'ai pas faites à la fin. Là, j'ai rushé à la fin, surtout pour me soigner, notamment. Oui, bah t'as bien raison. Voilà. J'ai sauvegardé, mais je re-sauvegarde, on n'est jamais trop prudent. Et puis, moi, je vais pouvoir dire bonne nuit à tout le monde. N'est-ce pas? Bonne nuit, merci d'avoir suivi la VOD YouTube. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et vous abonner si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Payez les modos, payez les modos. Fuck les modos, abonnez-vous. Oui, payez les modos vous-même. Mais c'est pas gentil ça. Attendez. J'ai été payé pour dire ça, pardon. Non, bah du coup... La modo elle a décidé qu'elle ne jouerait plus et qu'elle ne modérait plus, c'est tout. Ah ça y est, je l'ai trouvé. Du coup c'est nul. Voilà. Ah, merci, demain bye bye Tomoko. Oh, rip. Enfin rip, non pas rip, mais bon, on s'est compris. Bon, bah gros bisous YouTube et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.